un premier extrait de la vie de Sainte Nonne, un viol. Et oui, de façon surprenante, on y trouve un viol. Alors Nonne va se rendre à la messe. Elle traverse un bois et en fait, il va falloir, dans ce mystère, qu'elle donne naissance à un enfant, un garçon, Saint Dewi, Saint Dewi, qui va faire des miracles par la suite, etc. Mais elle ne peut pas non plus rivaliser avec la Vierge et le concevoir comme ça. Alors il faut bien, malgré tout, dans le mystère, trouver une manière un peu extraordinaire de procréer. Et donc, en traversant ce bois, elle rencontre un roi. Alors le roi va la violer, ça va être très rapide, très succinct, et je vous propose donc ce petit passage. C'est du moyen breton, donc même pour les bretonnants, c'est pas toujours évident de le comprendre. « Pané do meman, en mandin dan quat, ne l'air secret d'eb cretat, rei din tisman ma fligeadur, moskef mer joli suffisant, vraiment enan uska avant quan, heb bout néan ma aventure. » Tant que nous sommes ici sous le couvert, dans un endroit parfaitement isolé, donnez-moi promptement mon plaisir. Je vous trouve fort charmante. Vous m'y semblez si belle en cet instant, je ne voudrais pas me conduire mal. Alors Nonne lui répond, dussé-je amèrement souffrir la mort impitoyable, je ne le supporterais de qui que ce soit. Je préférerais mourir cruellement que me soumettre à une telle étreinte. Le roi, en la violant, ainsi ne voulez-vous pas me donner raison ni satisfaire mes désirs? Je te prends donc de force, puisqu'il vous plaît de me refuser tout net. Et que tu n'avances nulle excuse recevable, j'agirai selon mon bon plaisir. Et le roi lui-même, tout de suite, ma conduite est honteuse et incontestablement forte, infâme, etc. etc. Le viol a eu lieu. Et des oui pour un être, mais pendant la grossesse, se produira une grande quantité de miracles.